نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله من في قلب موسينا خديجة سوداء أستير بقلب موسينا عائشة من فيني فين بغف لو عائشة رضي الله عنها كسانا لي et aujourd'hui, inshallah, nous commençons avec un hadith qui me cause concernant la vertu de Aïcha et un petit peu un hadith qui me cause concernant dire, sa contribution pour l'islam ou bien sa relation avec Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Aïcha radiallahu anha, il va finir qu'on accepte l'islam. Il va finir qu'on accepte l'islam quand il peut prendre naissance. Ce papa qui est déjà musulman, ce maman qui est déjà musulman, il est né dans l'islam, il grandit dans l'islam. Aïcha radiallahu anha dit لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. مباكون مباها اكسبتي كي سوف براتيك دين مباكون مماما مبابا اكسبتي كي مكونزل سوف براتيك دين يا بافيني ناوكان زو اكسبتي كي لبوفيت سوف باس كتنو dans la soir grand matin et dans tout. Alors ça montre nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa relation avec Abu Bakr radiallahu anhu de fini cause l'oula comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il se fréquente la case de Abu Bakr Aïcha radiallahu anhu il y a encore chibchit, il y a encore des enfants il connaît tous les jours Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait un tout grand matin et tout dans tout كتلي أبو بكر سمعنا تتو تدار دين الإسلام عائشة رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبه كي يبقي أن كادو أن يبوز كم كادو سيدي عائشة رضي الله عنها ألو نجيا بازم سمع الحديث لا كي عائشة رضي الله عنها سيدا كادو que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin gaya de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et avant même le prophète marié avec Aïcha Allah subhanahu wa ta'ala signifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam rêve Aïcha Aïcha dit parle à lui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك Le messager d'Allah vient dire à moi, le prophète vient dire à Aïcha, mais tu trouves toi dans un rêve, un ange qui amène toi, ouais, une pièce, la toile, la toile en la soie, et ça ange-là vient dire à moi, ça te madame ça. Le prophète dit, enfin, cachef-toi un wajhik al-taw, dans le rêve là, mon avance, ça, la toile qui me couvre à toi. Et dire, on dit, qui s'en a ça? Il a un dihia, comme on peut dire, c'était toi. Fakult, il n'y a qu'un hada min indillah, yum dihi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça arrive là, il peut dire, mais si ça arrive là, vite depuis qu'on a là, Allah subhanahu wa ta'ala peut aller réaliser. Donc, trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait le prophète rêve. كي لبدا ان كادو بدا ان المدام كان لا تلا بي انفاي بولي دا ان لا ان لا توال ان لا سوا كي دي انفلوبي افيك سا لا توال لا انج بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تو مدام سا قال يقول في نافونس بار دا من نافونس سا لا توال لا بيدي سيتي عائشه رضي الله عنها نزلت روايه عائشه تيا ان جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من بين عبد القوفيت صلى الله عليه وسلم avec vos images de la toile en la soie couleur vert en la toile en la soie couleur vert فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة et جبريل في جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ça c'est une madame dans الدنيا et dans آخرة alors ça c'est un lunaire وعائشة رضي الله عنها كي لفنات بوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن كادو لفنات بوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن كادو
Donc elle nous compare Aïcha radiallahu anha avec les autres madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le patron qui bah, les autres madame finit bien manchon concernant eux, finit bien manchon, bah, qu'ils sont pareils concernant eux. Quant à Aïcha radiallahu anha, nous trouvons avant le prophète marié avec Aïcha, le prophète Allah finit faire, le prophète finit révélé, et ça aussi fait révélé comme un cadeau qui Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder. Et quand on dit Aïcha radiallahu anha, je suis marié avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis bien jeune, et c'était seule jeune fille que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit faire nikah avec lui. C'est un honneur pour Aïcha, et même Aïcha radiallahu anha, lui, je vais montrer les fiers pour ça, l'honneur qu'Allah a accordé, qui est la seule qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marier avec lui, lui qui est une jeune fille. Quant à les autres madame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais déjà c'était une madame déjà mariée, Urwa radiallahu anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك للبروفيت من دمان نامي عائشة أبو بكر للبروفيت من دمان نامي عائشة أبو بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخو أبو بكر في جميع مكومة خير قال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. Fait dire oui, tu mon frère dans dit Allah d'après le Coran, tu mon frère, mais c'est ma certificat li halal pour moi. Je me trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mêmes filles de ma nommé de Abu Bakr, des filles de ma nommé de Aïcha radiallahu anha avec Abu Bakr et Abu Bakr radiallahu anha. Le béja le prophète, le béja il y a une jeune fille et mon commandant frère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans dîn Allah subhanahu wa ta'ala, d'après dîn Allah est halal pour moi. Aïcha radiallahu anha dit anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa bana biha wa hiya bintu tis'i sinin. Aïcha dit quand le prophète tu maries avec moi, tu fais nikah avec moi, moi j'ai 6 ans, quand on fait une vie, reste avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand on fait une consommation de nikah, moi j'ai 9 ans, moi j'ai 9 ans. Et dans le riwaya, Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِ نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ. Quand le prophète tu maries avec moi dans Makkah, le prophète tu fais nikah avec Aïcha Makkah. Ensuite, Aïcha dit quand nous vîmes Madina, quand nous vîmes Madina, j'ai appelé 3 ans, Aïcha dit, je peux jouer le balançoir, je peux jouer le balance, une certaine madame vient bien côté moi, j'ai encore besoin, ou à la moujam ma batoun. Et vous savez, petit côté moi, côté moi oreilles. Et certaines madame va dire, c'était parce qu'il Aïcha, si tu touchais pas une certaine maladie, ce CV qui tombait, alors quand ce CV-là ne repoussait, il n'y a pas de long CV, ce CV qui arrête, se capote, se oreille. Alors Aïcha, il ne fait traverse pas une certaine maladie, puis ce CV qui tombait, il ne recommence à gagner ce CV qui court. Alors c'est dans un intervalle-là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le phénomène Aïcha, il me reste contre lui. Il dit Fadhab Nabi. فهيأنني وصنعنني. سبحان الله. Moi, moi, je faisais le balance. Je ne prends moi, je n'amène, je n'ai pas d'un bon état, je ne vois, je ne prépare moi. Ensuite, ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, je finis moi contre رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنى به وأنا ابنة تسع سنين. Déjà, quand on vit bien contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on vit reste contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait déjà moi, j'ai 9 ans. Aïcha dit, quand tu al'ab bil banat inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, déjà moi, on finit moi, moi avec le prophète, on vit reste contre le prophète, moi j'ai un poupée qui m'a tué jouer avec ça. Tu n'as pas un bouffé qui me fait jouer avec ça, et moi tu n'as pas un camarade qui vit qui fait jouer avec moi. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans la case,
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنا منه. قال البوفيت جي بي رونتري وذا الكاميرات ما عنديش فيلاج جي بي كاشي فيسربهن إلي فيلعبن معي. البوفيت صلى الله عليه وسلم جي بي في أبيل البندا بوكي جو كونتيني جوي افيك موا. دونك نترو عائشة رضي الله عنها اللي جابو مجال زانفون جابو jeune, les jeunes arrivant, les mariés avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les filles mariées avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont encore besoin de poupées, ils ont encore besoin de poupées ensemble avec ce même camarade. Urwa, radiallahu anhu, les dit, en Aïcha, قالت, قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ عائشة مش بيجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم أو بروفيت سي اون اري دان ان فالي كي انا بيجير بي dans sa main pied là et là ben chameau qui finit manger dans sa main pied là tandis qu'il a un pied qui aucun chameau pas fini de manger en fait l'eau sa pied là Aïcha dit au prophète mais si tu descends d'un val de Paris quel pied qui peut manger ou tu peux faire ou chameau elle mange l'eau sa pied là alors le prophète tu peux dire fil la dit la murta minha le prophète dit mais je comprends au chameau mais je peux amener que sa pied que pas fini n'a aucun animaux qui fin mange depuis sa pied là fin mange j'ai fait sa pied là تعني أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها باسا عائشة لجبولي بجيش المطلقية لجبولي بجيجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم كي ستي الإمام أن سلجن فيك للبروفيت صلى الله عليه وسلم في فيها في الفيا نكاح بجيا في الكومبا لجيب المدام للبروفيت صلى الله عليه وسلم كمان بيه كي فين ديجا إلا بان كابري وبيا موتون وبيا chameau qui vient manger, ensuite, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui amène ce chameau, tandis qu'Aïcha, radiallahu anha, les kumasakila, qui aucun animal, aucun cabri, aucun mouton, aucun chameau va venir manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui vient amène ce chameau pour venir manger de ça, de sa fille. Alors, trop qui, sa façon qu'Aïcha, radiallahu anha, les cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les bédiens, les prophètes, ça, toutes choses-là, c'est il peut montrer que c'est un honneur pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin accord lui un seul jeune fille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire l'écart avec lui. Et comment nous dire, tout ce qui est traversé dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup, ben, laissons là-dedans pour nous. Parmi les leçons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait consomme ce nikah avec Aïcha. Aïcha tient à 9 ans. Parmi les leçons, c'est une leçon pour nous tous, le papa qui nous suffit. Il y a 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, nous encore nous suffisons enfants. Nous encore nous suffisons enfants et qui en vérité, Allah fait oulé. Il se prophète marié avec un tifi 9 ans. Qui ne voit un tifine fini des grandes filles. Alors, il ne faudrait pas nous croire qu'il ne tifine 13 ans là, il y a encore un enfant, il ne tifine 14 ans là, il y a encore un enfant, d'une façon qu'il n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à connaître, dérouler. Ensuite, quand il a connu comment il finit développé, et là, il vient trop tard. Alors, depuis les enfants même, il est important. Nous suivons nos bons enfants avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour qu'il nous peut faire pour garder nos enfants dans une bonne atmosphère loin des haram. Allah subhanahu wa ta'ala les protège nos bons enfants. Et quand nous gagnons, comment? Il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent à faire garde dans la vie. Une bonne raison principale, c'est qu'un papa lui finit un rôle avec les. Comme si le papa comprend qu'il se tifie un immigrant, il peut croire un tifi, un immigrant, c'est qu'au début, il y a 18 ans, il y a 20 ans, appelle ça un grand tifi. Non, Aïcha, radiallahu anha, il y a un tifi qui le prophète vit avec lui, il y a 19 ans. Il y a
19 ans, elle ne voudrait pas nous croire qu'il nous suffit. Non, il y a encore la sixième. Non, il y a encore. Il y a encore, c'est pas la formine. Il y a encore la sixième, oui, mais la sixième convertifie, il finit à l'âge de puberté. La cinquième même, il a convertifi et il a atteint l'âge de puberté. Alors, il y a un bon temps, nous rencontre pas une chose pareille. Le prophète fut marié avec une jeune fille. Allah fit nous le prophète marié avec une jeune fille. Et il y a une information là-dedans pour nous, pour vivre beaucoup de sagesse qui est derrière ça. Un problème de sagesse qui est derrière ça, c'est qui nous disait qu'on est. Qu'une jeune fille, quand il peut grandir, il finit atteint l'âge de puberté. Alors, nous disons comment se considérer comme une grande fille. Aïcha radiallahu anha, il tient une considération spéciale au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Urwa, l'idée, en Aïcha qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi Shawwal, wa banabi fi Shawwal. Aïcha dit, le prophète, quand il fait un nikah avec moi, c'était dans moi Shawwal. Et quand il consomme ce nikah, c'était dans moi Shawwal. Quand il reste côté, c'était dans moi Shawwal. Aïcha dit, فأين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. Aïcha dit, qui s'en là pour l'épouse du prophète qui finit la plus considération auprès du prophète qui moi. Et qui ça madame là qui connaît finir la plus grande considération auprès du prophète qui moi. Et j'ai pour ça de montrer qui ça a fait à qui le prophète m'a donné d'un Shawwal. Le prophète finit reste avec lui d'un Shawwal, c'est un honneur pour lui qui fait parce que dans sa moi-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait marié avec Aïcha dans sa moi-là. Et Aïcha finit reste lui dans sa moi-là, ça c'est un signe qui Aïcha radiallahu anha finit gagner sa honneur-là. Comme Aïcha dit, comme Aïcha dit. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في الشوال. عائشة تبكونت كان تبي في المالي dans son famille لي envoie sa fille reste côté sur Michel dans moi شوال دي un meilleur mois pour qu'un jour vienne Nika un meilleur mois pour qu'un jour ce madame vienne côté c'est dans شوال. عائشة تبكونت quand on va dire finir la Nika un tibi في المالي dans son famille finir la Nika. Et quand il a un poil reste de ce bichet, Aïcha se fait content qu'il y envoie sa tibila reste de ce bichet dans la Shawwal. Il dit à moi qui vais gagner sa lune là, le prophète fait mourir avec moi de Shawwal, il fait venir reste de moi de Shawwal. Alors pour ça, nous comprenons que ce mois-là, c'est un mois préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur madame en ce qui concerne un dimone l'hivernica ou bien un madame une rescotso une rescotso soviché. Et quand nous avons plusieurs hadiths des incités nous passons la différence relation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha, nous trouvons que vraiment le prophète finit une grande considération pour Aïcha. Aïcha dit كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. Aïcha dit moi et le messager d'Allah nous faisons bien seul le récipient qui est entre moi et lui, c'est-à-dire le récipient au milieu de nous dégoûter, certains qui envoient la main où tu as de l'eau et où je peux dire quitte de l'eau pour moi. Nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur façon vive avec Aïcha radiallahu anha. Imagine un petit peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu comptes Aïcha, comment je peux vivre avec Aïcha, qui se peut baigner ensemble, et dans mes baignes là aussi, un certain jeu qui de l'eau pour moi, tu es des petits à de l'eau. Alors, là-dedans, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons pour nous, surtout certains hommes, façon qu'ils agissent envers cette madame, il est bien mauvais. Certains hommes, façon qu'ils agissent envers cette madame, il est bien mauvais, il n'a pas réfléchi du tout. Façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y compte lui envers Aïcha radiallahu anha. Et les autres, madame, un hadith, pareil, c'est pas juste une information pour nous, mais aussi une leçon là-dedans pour nous, comment nous visons et vivons bien avec nous, madame Aïcha radiallahu anha. Quand tu achètes, ou à un haïr,
ثم يناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب. عشان هي مش بيبوا دي لوس بعدين فيا. Ensuite, me donne le prophète صلى الله عليه وسلم pour boire. Le prophète dit je peux mettre sur la bouche, même place que je mets pour la bouche dans sa verre pour boire. Quand vous dites ça, c'est un zis. Bien, c'est parce qu'un dimanche, on me donne de l'eau pour boire. Quand il prend l'eau, il boit l'eau. Comment il peut prendre l'eau? Il boit l'eau. Mais un dimanche, il prend sa verre. Il donne même la peine pour virer, pour mettre sur la bouche, de même place. Quand ce madame vient mettre la bouche, on peut la nourrir, elle a accepté faire les pièces à madame là content. Puis la nourrir derrière ça, accepter faire les pièces à madame là parce que les patients n'ont rien à donner. Elle, madame, il donne ce Michel, elle vient pour boire de l'eau, mais de la façon qu'il me prend, le maman le prend, il a pas soin, il nous boit l'eau. Alors, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai vu trop là-dedans aussi, une occasion, comment vous exprimez sur l'amour pour Aïcha, radiallahu anha, et Aïcha, écoutant, vous d'abord, 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 فيضع فاه على موضع فيا عشان هي مش مانز ان ليزو كان على لا فيان لادا اي مومون مانزي ensuite me donne رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بونس على ليزو لا فيانا لي ميت سو لا بوس لا بلاس كوت ويتش بي ميت بو لا بوس ويتش بي ويتش بي مانزي سا اوسي سي كي دي ان زيس كي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم بفيا كي ان فيريتي سي لو كول ريا اونيتمون parmi nous combien faire une petite chose pareille. Alors nous montrons qu'il vraiment il y a une lacune dans nous, il y a un manquement dans nous qui parfois nous rend des sources problèmes, qui viennent un problème entre nous. Et nous, madame, un parmi c'est peut-être ne pas faire montrer nous, madame, qui nous compte dans l'ISA, sa quantité-là. Et moi, nous avons des sons, nous déjà dit, nous déjà expliqué. Peut-être, madame, normalement, des natures, il y a madame, je content, je suis content, madame. Je content, je miché. Alors, quand elle, madame, il est trop, il est content, ce miché. Et miché là, il m'a montré un certain amour. Et je coupe là, je vous vis bien. Mais madame, il m'a montré, il est content, ce miché. Et quand même, il n'y a pas trop nier de la part de ça, miché là, je n'ai rien d'autre qui ça, c'est un rire. Et rire grave en cause, c'est qu'il était un miché. Il disait, elle, madame. Et madame là, il m'a montré l'amour et l'affection. Miché là, qu'il m'a bien dit. L'idée de montrer l'amour et l'affection ou ce qu'il peut rêver, ce imaginaire, pour lui déjà madame. Il reste cause, déjà madame, il reste qu'on n'est pas, avec tout ce qu'il a fait, déjà madame, déjà madame, déjà madame. Où est-ce que madame avec vous montre l'amour et l'affection à tout ça? Où ça madame là? Et comment dire, qu'il y va un frère, qu'il y va une soeur? Si elle a écrit à mon mort, il fait déjà un mica, pas pour madame, ce palabre, ce plairait, l'autre qui vous. Qui vous voit ça? Si elle n'a pas écrit mon père de Jamaïca, pas tout ce qui vous fait causer mon père de Jamaïca, mon père de Jamaïca, mon père de Jamaïca, pas ça qui vous fait mon père de Jamaïca. Donc, papa, je dis dans mon Michel, madame, c'est une petite chose inutile qui est arrivée, une discussion inutile et un écart inutile. Mais j'ai peine à rapprochement, peine à l'affection, peine à l'amour autant parce que Michel a libéré ce cause des gemmes. Les bérescoses déjà, mais déjà, pas qu'ils sont là, c'est un imaginaire. Et pas existe, pas pour exister, il l'a rien, incha'Allah, excepté si Allah, il décide dans le contexte, nous, l'île Maurice. Alors, vivre comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vivre avec ce madame, montrer l'amour pour nous, madame, l'idéal, ça, et pas même l'avantage, mon frère, nous dire, pas même l'avantage qu'elle miche gagné. Quand il vit bien avec ce madame, c'est madame là, elle est en bonne santé. Combien de cas nous connaissons, nous tendons, madame là, elle a le certain âge, 40 ans, 45 ans, 50 ans, elle pense à la dépression. Alors, ce n'est plus capable de se méfier, il fait la dépression à se relier. Quand madame la cuisine, elle dit, occupe ce, madame là, je dis, occupe ce Michel, c'est Michel là qui est bizarre, occupe ce madame, amener l'hôpital, amener le côté, amener le côté, et. Madame, vraiment, là, parmi ma raison, c'est qui, ou pas, qu'on agit bien avec sa madame là. Si vous vivez bien avec elle, madame, puis madame là, vraiment, franchement, nous dire, si elle, Michel, il vit bien avec son madame. Madame là, il y a un problème, je ne sais pas, avec ben, c'est, il y a un problème avec voisine, il y a un problème avec sa belle-mère, beau-père.
tout ça là grainé devant lui. Mais je ne dis pas qu'on casse la tête avec tout ça là autant s'il peut trouver son obligé de vivre bien avec lui. Mais si, il peut avoir un problème avec belle-mère, il peut avoir un problème avec cousine, il peut avoir un problème avec voisine, il peut avoir un problème avec personne, il y a un problème avec son obligé. Madame là, son crâne mangé. Alors, il commence fatigue sur la tête, finalement, il est malade. Alors, Michel a fait un premier grand perdant du maître de madame, il a 45 ans. Déjà, Nicolas n'est pas pour récifier, hein? Déjà, Nicolas n'est pas pour récifier, hein? Finalement, quand ce madame, il a 45 ans. Au lieu de prendre une madame en bonne santé, il y a le temps avec une madame qui commence à dire une dépression, la tête peut bien rouler avec pile. Alors, nous avons une Madjimoun qui est intelligente. Nous avons une Madjimoun qui est là. L'intelligence, nous vivons bien avec madame, il est dans l'avantage. Aïcha, radiallahu anha, déjà. كان الجيش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت انا انصرف فاقدر قدر الجاريه الحديثه السن تسمع اللهو عشان هي بن ابي السنيان بن الحبش الجيش كان الحبش بجبل ابي السنيان بجبل نوار زيت بيزوي افيك زيت لانس دمازدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam filmait moi par des yali pour qui m'ont guetté. Le prophète filmait moi par des yali pour me débrouiller par des yali pour qui m'ont guetté. Ben là, ben là, ben sûr. Aïcha dit Fama zéto amour, hatta kuntu ala ansari. Mon continue guetté jusqu'à qui moi on arrête de vivre. Vous voyez? Pas le prophète il dit Ah, c'est ça. Il n'a pas de matin, il n'a pas de michel. Pas de réseau, bien sûr, je madame. Comment est-ce que vous avez C'est pas commencé, hein, mais correct, hein. C'est-à-dire, il parle correct. Il ne trouve Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ce madame, qu'est-ce que ça va dire, vous, qui peut jouer là, c'est pas lui qui n'a rien pour eux, car ça, quand vous trouvez, vous pouvez lui demander, assez encore, Aïcha dit, quand vous trouvez, ne le faire avant les soins, là, Aïcha dit, moi, on va pas m'intéresser de jouer là, trop m'intéresser. Vous pouvez intéresser à guetter le prophète, combien les coutines, moi, pour qu'il me continue à guetter. Alors, Aïcha dit, Fakduru, Kadr al-Jar, Yadil Hadith, Yadil Sinni, Tesma'u, Allahwa. Alors, prends en considération une jeune fille qui vient d'un certain désir pour l'amusement, alors qu'un grand miché, marié, il vient qu'on chante, qu'il soit madame, une jeune fille. Il a tué un certain amusement, une certaine puissance. Il ne faudrait pas un niché, il vit avec ce madame sans qu'il sa madame là, il sentit un moment de joie, un moment de contentement dans une dame. Aïcha dit Fatata Ali, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui baille. Les prophètes font une carrosserie un petit peu pour qui quoi dire Il baisse ses épaules, Faja'aitu anzur ilayhi min fawqa atiqi. Aïcha dit à mon copain, il va nager depuis là-haut, les épaules. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, hatta shabi'tu, thumma insaraftu, mon ghez gete, jusqu'à qui moi, mon arse gete, ensuite mon fils, allez, l'autre riwaya le djia, fa aqamani wa ra'ahu khaddi, ala khaddi. Le prophète, finalement, déroule par les yali, mon lazou, tu peux coller avec ce lazou, le djia, ou la tête, l'eau, so. زبول بودي بوليا ملازو إن كل أبيك سو أبيك سو لازو فوضعت ذقني على عاتقي فأسند وجهي إلى خده لبوبيجا من بوغ عايشة جيا من بوز مومانتون لو لبوبيت سو زبول من أبي ملازو أبيك لازو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أما شبع أما شبع Le prophète Pédiama, le narcé qui était, Fajar Abdullah, l'envoura Manzila dit, Indi Indaou, Aïcha Pédiama, vous pouvez être encore, Aïcha dit, moi m'intéresse pour guider, moi m'intéresse pour connaître quantité qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam estime pour moi. Alors tout ça, mon frère, je me trouve valeur de Aïcha dans la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien la doute qu'il y en a, il y a une leçon là-dedans pour nous aussi. Aïcha dit خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية لم أحمل اللحمة ولم أبدن. Dans certains voyages, nous sortions ensemble.
J'accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon père encore, mais je prends poids. Mon père encore, mais je m'habille. Mon père encore prend poids. فقال للناس تقدموا فتقدموا. Les prophètes ont dit à Benjamin, allez, allez par devant, tout Benjamin est allé par devant. ثم قال لي تعال حتى أسابقك فسابقته فسابقته. Les prophètes ont dit à Aïcha, venez nous mettre un poids, galoper. Les prophètes ont dit à Aïcha, venez mettre un poids, galoper. Aïcha dit, vous ne dépassez pas. Vous êtes en cousin, vous êtes en cours. Et Dieu, vous êtes en prends les cours. Fais ce que tu as dit. Les prophètes ne restent pas, ils ne sont pas dans les. حتى إذا حملت اللحم وبدنت ودسيت عشان دي أبين ستان لكو وجه موفين بان انتبه لكو موفين بنا من غوسي انتبه لكو بيجي ساس استوى كي لكو فيت شمي بايا تبقى موش باقتي لا لجي انزو فخرجت معه في بعض أسفاره ان لكو كاجون من غير أكمباني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعين سبايا فقال للناس تقدموا فتقدموا لبوفيت في جبل جيمون عليه البادي مانزوك بن جيمون عليه ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني لبوفيت رجع عائشة بين بدن بايات جالوبي سفوالا كفي بيت بايات جالوبي لبوفيت صلى الله عليه وسلم في بعد عائشة فجعل يضحك وهو يقول هذه بتل لبوفيت كماسخية إجا من خانتوا لتلالا من خانتوا لتلالا لتسالا من طيب لتوجد خلاصون رسول الله صلى الله عليه وسلم avec Aïcha et montrez-nous valier de Aïcha mais en même temps nous trouvons et là laissons la dent pour nous de façon qui nous comporte nous avec envers nous envers nous madame par au départ Al-Nu'man ibn Bashir جاء أبو بكر استعهد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم Une fois, Abu Bakr, radiyallahu anhu, est venu pour rencontrer Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour lui demander la mission. Devant la porte, les bétanes endorment Aïcha et causent faux avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la dame, c'est la même maison pour nous là-dedans. Aïcha se dit qui ça, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons une différence dans l'âge aussi. Mais pourtant, en tant qu'une épouse, une nénette, c'est un moment qu'on dit, mais lève la voix avec ça. Avec son Michi, à un certain moment, Aïcha, quand je dis Aïcha, c'est une mauvaise madame, elle dit bon madame Gena, qui dans la dunia est dans l'akhirat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit bon, dis-moi qu'il va venir là, il aussi à passer la terre, mais à un certain moment, quand il dit bon, il ne prie pas, colère, il lève sur la voix. Alors Aïcha, elle lève la voix avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني لبتان عائشة بنت رسول الله مكوني توكي كمتا علي كي موا إيمو بابا مكوني توكي كمتا علي كي موا إيمو بابا فأذن له فدخل عائشة أبو بكر بن بيان بيشون بيتان سا لنجاي بيان بيشون لبوبين جالي رانتري لنرانتري فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبو بكر إن غانطري إجا قلت وحشي في دي أم رومان كسنا عنشا أجل بي ويا بي جابو شفي بي كسنا شفي مو مدام بس كي بي لان بي واجيان بي اللي بي بي تسوز كي قوانيا دا أبو بكر جابي دا أخوة بيكسا قلت شفي مو مدام واجا أبو بكر ويا بي اللو عائشة يتبليف تلا فوادي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليف تلا فوادي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها بجابوا بقى قبل من خاشر عائشة قبل خاطر يتبليف تلا فوادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوفين في بين خاطر أبو بكر عائشة إن رأت أبو بكر عائشة فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك كان أبو بكر زوجين عليه
Le prophète il commence cause avec Aïcha, voyez, puis envie de faire lui content, puis voyez, il fait qu'il y a un petit problème, Aïcha qui fait en colère, le prophète il péché pour Aïcha revienne dans son mood, il fait envie qu'Aïcha revienne dans son mood, alors il commence à battre avec lui, il dit, tu as dit comment mon vie en toi avec ton papa, tu as dit comment mon vie en toi avec ton papa, mais non pas laisse ton papa venir avec nous, toi. ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكها أبن جمك أبو بكر رضي الله عن البني لبني بابي أبي شوق وانطين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة زبي بغية لبوبي بابي عائشة غية عائشة بغية فأذن له فدخل لبني بابي أبي شوق لبوبي بن جالي رانطي فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربي في حربكما لأبو بكر أو بوفيت أبو بكر أو بوفيت pareil comment ça tu fais moi rentre dans autre la guerre faire ma participe dans autre la puis et là tu n'as problème mon rentre là-dedans alors là c'est un moment de joie faire ma participe dans ça moment de joie là donc nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment les médias Aïcha vous dites mon bord mon bopalis mon bloc de papa vous dites comment mon vie bord toi on empêche que papa lève la main, non toi, il peut dire ça, il peut rouler, remet Aïcha, radiallahu anha, dans ce monde. Tout ça là, montrez-nous comment Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il est content, Aïcha, il parle de trouver, il est connu. Aïcha, c'est la même épouse du prophète qui l'a multiplié, tu es plus content, comment vous trouvez. Aïcha, radiallahu anha, il dit, ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة. صامن خسانتي زينب بنت جحش إن فيني غان كوت موا إلي أن كولير. تقول لك رواية كتب ويكتشاري بي. إكما نو كولير؟ فأما ليبوز دي بروفيت صلى الله عليه وسلم غيبال دي عائشة سكسنا؟ فأقول جيب. يعني غيبال دي عائشة. سي زينب بنت جحش. J'ai un déclic. Un déclic Aïcha, Hafsa, tout ça, un déclic Oumou Salama et Zainab. Zainab bint Jahsh. Lui aussi, je n'ai pas, par exemple, le prophète est extra content. Aïcha, le prophète est extra content. Zainab. Et dire Aïcha, dire mon rival, ça. Aïcha, dire Zainab bint Jahsh. Ça, c'est mon rival, dire. Quand Aïcha, on peut aller, les autres, par madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça, tout ça, il y a pas de déformes. Et quand il compare avec Zainab, il nous a un arbre, il mange avec. Il mange avec moi. Il est prouvé content. Zainab aussi, beaucoup, moi, il est content. Aïcha, il est définitivement Aïcha plus. Alors, il y a un affaire la même. Zainab, il est rentré sans demander permission, sauf figuier même, avec colère. L'itifafata, thumma qala, ya Rasulallah, ah. حسبك إذا قلبت لك إذا قلبت يدك بنية أبي بكر ذريعتيها زينب جاءوا بوفيت زيس عائشة لتون سو أفان با سا سوفي بو ألو كيلي ميرو جا بوسا إكتاكتما مو جا كم سي كما عائشة في انتزيس أبيك سولامي il finit à tirer l'attention à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zainab il dit au prophète comment Aïcha vous cela mais quand il finit au problème Aïcha ensuite Aïcha dit thumma aqbalat alayya fa'aradtu anha ensuite Zainab il vit le moi Zainab il vit le moi Aïcha dit maman détour moi maman va y avoir une vie ma faute lui hatta qala nabi sallallahu alayhi wa sallam douna ki fantasiri. Le prophète Aïcha, quand j'ai dans la case de Wall, il va dire, ou bien, mais défends-toi, défends-toi. Alors, fa'aqbaltu alayha. Quand Zainab, il dit, la case avec colère, quand j'ai dit, il dit, franchi. Là, Aïcha, il dit, cause avec des voyages qu'elle salaire, Aïcha, il est déjà calme, il dit, avec le prophète, il me dit, c'est bien les deux. Le prophète, il dit, il dit, alors Aïcha qu'elle donne ça, elle gagne courage, elle la force, elle claque à l'intensité, vous voyez qu'elle avait
للانفيني داون لاني. Alors فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا. Et j'ai quand les robes et j'ai mangé avec lui, moi mon vie en liasté. Moi mon vie avec lui, mon vie avec lui, à chaque fois que je trouve comment ça se salit, une sec dans son labous, il va le garder avant un mot. Il va le garder avant un mot parce qu'il trouve les robes et il a dit. J'ai dit, on a qui va dans ce lit, défends-toi, cherche pour vaincre lui, mais j'ai de l'orat de l'orat de l'orat. Alors, à chaque jour, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه من trouve on trouve le prophète صلى الله عليه وسلم se figure comme avait éclairé comme avait brillé avec la joie on trouve le prophète صلى الله عليه وسلم se figure comme avait brillé avec la joie. عندي حديث فزوجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها للبروفيت صلى الله عليه وسلم تكونت كوز avec lui للبروفيت صلى الله عليه وسلم تكونت كوز avec عائشة رضي الله عنها عائشة جيا فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع للبروفيت صلى الله عليه وسلم شي في صلاة pendant la nuit للبروفيت صلى الله عليه وسلم شي في صلاة pendant la nuit ensuite quand إجا لنتيابين في صلاة Aïcha, j'ai l'expliqué, si dans ce moment-là, mon éveillé, mon papa dormi, le prophète, tu peux causer avec moi. Si tu m'as dit, mon papa dormi, il va te casser mon sommeil, je vais allonger lui-même. Alors, ça a dit, ça me montre, nous, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est comme avant Fajr, elle est comme un hajjoun, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut causer avec son madame. Mais tu sais, j'allais entendre Michel avec elle, madame, quelque chose qui est bien important, qui a son discours, ça est absent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples. Il est absent dans beaucoup de couples. Mais il y a plein de dialogues. Et c'est qui grave, c'est qui vilain, c'est imbécile. Imbécilité, elle a dit, bon, les chats, il y a un message. Les chats, et ils restent à eux-mêmes et à eux-mêmes. Et moi, je veux dire, faire une expérience, à Michel, un jour, rentre la case. Dis à Jodi, je vais poser pour madame. Je précise que madame, vous venez comme vous avez posé. Vous vous trouvez, on cause des miettes, 45 minutes, et miettes, comment dire, beaucoup on cause. Mais combien de monde a son Jésus? Il peut être et puis 11h à 11 jusqu'à 10h du matin. Mais il y a un Jésus, une petite chose qui, un Jésus, il visait service sur l'intelligence, service sur l'esprit. Ce madame, il peut vivre avec ce madame, il peut gagner les temps pour cause avec ce madame, il peut chat avec un autre qui, comme on dit, pour réciter un écart en ligne, mais pas pour réciter un écart en ligne, en tout cas, ça chata, il dort bien, il est haram. Alors, avec les madame, on peut gagner les temps pour causer, mais on peut gagner les temps pour cause avec des gens qui est étranger, qui est haram, avec où, puis la vie, qui ça, c'est avec ceux qui n'ont pas pour partir dans l'île Allah. Alors, ce qu'il peut trouver, il peut être content cause avec Aïcha. Aïcha dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. للبروفيت صلى الله عليه وسلم كلمة صوتي في الوداع. شفت ناس صو. celui qui se sauve une sautine Il accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa voyage-là. Alors le prophète vient dire à ce jour, Aïcha et Hafsa, ça dit là ce nom, ce nom est sorti. Alors ça dit là qu'il accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha kana bil-layl, sara ma'a Aïcha, yatahaddath ma'aha. Arrive à soi, le prophète, je peux faire sur la route, ensemble avec Aïcha, je peux cause avec lui.
Je vais faire sur la route, asseoir. Le prophète, je peux dire à la côte à côte avec Aïcha, il se fait cause avec lui. C'est ça qui nous attire l'attention là. Il se fait cause avec lui. Le prophète, je content cause avec ce madame. فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت بلى قالوا حفصة لعائشة بزوجي موت له مسعمه مامو موت له تسعمه لقيتان كنت أسواء دلعمين قالوا بوبيت مويني كنت كسانا لمويني فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة قالوا سنان موت له سعمه لقيتان موت له سعمه سنان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم صار معها حتى نزلوا قالوا لبوفيك الميني لنكستي عليك شامو عليك شامو عائشة إنكستي عليك شامو عائشة نويتي لك سنة إن حفصة الأولى قالوا لنفي سلام إن غس أنسام عليك عليك لي زسكا كي زفي ناخيتي فافتقدته عائشة فغارت قالوا لا عائشة فإن كماس فإن انخسانتي لابسانس رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إن كماس زعلو كي كما ديال عائشة حفصة لمبتنا العقلي فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا قفنا عيدي عائشة إن كماس ويكنا لتونا عيدي عائشة إن كماس ويكنا لتونا عيدي عائشة إن كماس ويكنا لتونا عيدي من جبيه وما إجا ولا في أن سكوبيون بأن سيكون بكموا تبقوا بيتا وبابي كفار جيليناوي تبقوا بيتا وبابي كفار جيليناوي قالوا نتخو عائشة رضي الله عنها Mais Dia, il est mort, ça quelque chose qui t'a dit gagner l'attention de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit de sa leçon qu'il nous fait à l'époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de leçons maintenant pour nous tous, parce que la leçon qu'il nous gagne, c'est la réalité du monde qu'on va vivre. Mais c'est trop facile à cacher, ça ne veut pas dire. Il est trop facile, mais tout ça qu'il nous fait raconter concernant l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui veut raconter ça? Vous avez raconté ça, et c'est trop facile pour vous cacher, ça ne veut pas dire. Mais non, je l'explique tout là, la réalité est dans la réalité, et là, il nous dit bien, les bons nous collent qu'ils sont barrés, afin que ça aide nous pour vivre quand même, un bon musulman, le salatier là. Alors, c'est qu'il veut monter pour ça. Hadith là, les prophètes étaient contents, cause avec Aïcha, tu peux tirer les temps pour cause avec Aïcha, un léa pour ma fajr, avant fajr, les peut cause avec Aïcha, les peut voyager pendant la nuit, les cause avec Aïcha. Alors, nous trouvons les prophètes, s'ils sont contents pour cause avec Aïcha, il faut dire qu'Aïcha dit ça, tu vois qui, les prophètes, s'ils sont contents pour cause avec lui, il faut dire que ça, tu vois qui, vraiment quand cause avec lui, il y a un plaisir quand le prophète fait cause avec lui. Alors inchallah la semaine prochaine pour continuer toujours avec Aïcha radiallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.